Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de la mi-journée dans l'actualité de ce samedi 6 juillet. La nuit a été difficile pour les pompiers de Toulouse. Ils sont intervenus sur 3 feux importants, 2 incendies d'appartements dans le centre-ville et puis surtout vers 2h30 du matin. C'est l'hôtel Kyriade à Balma qui a été la proie des flammes. Le feu a pris dans une chambre et s'est ensuite propagé à tout l'étage. 45 pompiers étaient sur place pour maîtriser l'incendie. L'hôtel a dû être évacué, les clients relogés, pas de victimes. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un des clients de l'hôtel. Dans les chambres, ils n'ont pas les détecteurs de fumée. Il y a le conduit, mais pas le cône. Donc on n'a pas pu sentir et on a entendu des gens qui tapaient, qui couraient dans le couloir. Alors j'ai dit, dingue, c'est bizarre, il y a des gens qui font la fête. Alors donc j'ai ouvert la porte et c'est que là quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu des flammes et des morceaux de l'hôtel qui tombaient. Et c'est là qu'on est parti.